On enchaîne, mesdames et messieurs. Soap et Ghost s'infiltrent sur une île privée pour retrouver la personne qui finance Makarov. Début des hostilités, Johnny. Une tempête se prépare. Les gars, vous en êtes où? On est sur la cible, Watcher. On va être séparés. C'est l'ancienne reconnaissance aérienne au boulot, bravo. J'y vais. Refait. Notre premier objectif, la cible. Et l'agent de sécurité de Milena qui l'a. Il est notre cible prioritaire. Soap, il sera de votre côté de l'île. Dommage pour lui. Je vais pas le louper. Elle empêche, sauf c'est pour moi c'est la base. Hein. Le signal est mauvais, mais sa position sera actualisée quand il avancera. Ok. 7-1, vous avez un ennemi sur les quais. Je le vois. Je vais sécuriser le périmètre. On reste en contact. Bonne chance, lieutenant. Ouais, et devant le besoin. Moi j'ai pas mytho, mon perso préféré avant c'était Soap. Mais vu que maintenant on a un Ghost qui parle, parce que je crois qu'il parlait pas ou il était vraiment très discret avec Ghost. Bah maintenant voilà, c'est un peu kiff kiff. Mais Soap sur Modern Warfare 2, l'original, ah c'était une dinguerie. Hein. Allez, cette fois-ci on essaye de pas se faire repérer. Mais je trouve les ennemis vraiment très à l'affût en vrai. Hein. Avec 4 bateaux pneumatiques, un hélico près de la plage est et quelques gardes. On ne peut pas les laisser s'échapper. Éliminez-les. Bien sûr. Personne ne s'échappe. Écoutez, j'ai fait quelques recherches sur notre cible. Il s'agit de Nestor Gustef. Dites à sa famille qu'il rentrera pas pour le dîner. Je suis à côté des petites chambres. Comment vous appelez ça, Watcher? Je dirais que ce sont des cabanons, c'est un. T'aimes pas la plage, Julien? Je préfère la neige, lieutenant. Ou snowboard, Soap? Snow. Le snow, c'est pour les sauvages, Johnny. Et vous, Laswell? Motoneige. Ça a un moteur à combustion interne. Ça règle la question. C'est un bon argument. Oh non, ça se fait pas si fond. Oh non, il rappelle la mission. Neutraliser les gardes à l'arrière. Saboter tous les bateaux et véhicules. Personne ne doit entrer ou sortir, Ghost. Je m'en charge. La cible est au niveau de la fontaine, Soap. Entendu. On va où, là? Il y a deux soldats de Connie avec lui. C'est toujours mieux que trois. Attends qu'il soit seul si tu peux, Johnny. Ah, je crois que la lunette thermique, c'était pour ça, en fait. On voit vraiment rien, par contre. Il y a un truc de fou, ça se trouve, ici, hein. Attends, on essaye. Au pire, on fait demi-tour. Oh, ah non, mais je crois qu'on peut pas y aller, là. Attends, j'ai récupéré la lunette thermique. C'était là, je crois. Je fouille un cabanon. Et je crois qu'on a jamais réussi une mission d'infiltration à 100%. Je m'attaque à l'hélico. Et ça, c'est pas dans mes habitudes. Mets-toi au boulot, Johnny. Trouve la cible prioritaire et bute-le. Avec plaisir, lieutenant. Putain, ça se trouve, on va faire un truc de fou ici. Voilà, là, on discute, là. Il faut se baisser. On va à l'autre côté là, c'est pas bon. Bon, attends, vas-y, on va essayer. On essaye, on regarde au moins ce qui se passe. Je crois que c'est un flop. On peut continuer par là? Non, pas les couteaux. Voilà. Attends, tout est relié là. Parce que j'ai récupéré. Les périmètres ont été neutralisés. Je vois plus aucun mouvement. J'ai récupéré ça en même temps à côté. Explosif? Non, il faut être discret. Oh, attends, on peut faire une exception à la règle peut-être. Dis-moi qu'il y a la cible. Est-ce que je la vois d'ici? Oh, ce serait incroyable. Mais là, attends, tout est fait pour qu'on fasse un truc de fou, là. Là. Je pense que la cible, elle est bien enfermée. La cible est rentrée. Compris.
La cible est rentrée. Qu'est-ce qui relie Makarov à Milena? Depuis quand ils se connaissent, Watcher? Son mari et Makarov étaient amis de longue date. Qu'est-ce qui est arrivé au mari? Il est tombé sur un couteau. 9 fois. Deux fois. Milena a hérité de sa fortune et Makarov d'une armée. C'est pratique. Ils ont retrouvé un mec qui s'est suicidé avec 2 balles dans le dos, c'est ça? Il est tombé sur un couteau 9 fois. Incroyable. Nique la discrétion. Non, on va essayer. J'entre. Prenez tout ce qui vous intéresse, Eto. Non, j'ai trop raté la discrétion depuis le début du jeu. On va essayer de réussir au moins une fois. Headshot, biatch. L'île grouille de soldats de Connie. Dégomme-les, Johnny. Avec grand plaisir. On a 3 couteaux, hein, mine de rien. Oh, il avait le genou fragile, lui, ça se voyait. La cible est dehors. Il vous a repéré. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Et la cible est dehors, ça veut dire que je pouvais attendre pour lui tirer dessus, peut-être. Ah ouais, les gars, il y a moins que c'était ça. Ah, tu vois, là, elle a dit tout à l'heure, la cible est rentrée, là, elle est sortie. Peut-être si je restais là-haut pendant un moment, je pouvais après la voir. Et lui tirer dessus une balle direct. Le problème, c'est que la baraque, elle est tellement grande. Gustave prend les escaliers. D'accord. Ah ouais, j'ai peut-être raté un truc, là, non? On va essayer de passer. Oh oh. Alors lui, on l'a bien vu. Mais attends, mais en fait, je suis en train de loucher de fou parce que. Là, je suis en train de voir que l'objectif est devant moi, elle est pas du tout vers la maison. Regardez près de la fontaine, la cible est là-bas. Affirmatif. Ah non, ok. Mais la cible elle est... N'oublie pas la clé. Oh oh. À toutes les unités, faites attention, un hélicoptère de Connie entre dans la zone. État d'alerte en ce moment. On va dire que c'est réussi. Pièce dégagée. Fouillez la zone. Je viens d'ouvrir la porte du bunker. Reçu. Rentre dans le bunker. Bon, décidément. Sur ce call-off, les missions d'infiltration, c'est pas fait pour nous. Dégagez la zone avant d'accéder au terminal. Ah. Ah. Voilà, là on discute là. Non, non, recherche pas. En fait, je me suis dit 2 choses. C'est que premièrement, la cible au final elle était pas dans la maison, elle était dehors. Donc ça avait l'air ok. Attends, le bruit de la PKM c'est incroyable. Je me suis dit ok, j'ai vu qu'il était méga blindé, j'avais un sniper explosif, une balle c'est terminé. Et bah au final, pas du tout. Donc peut-être qu'il fallait que je reste, discret tout simplement, mais bon. Je vois plusieurs comptes, banques et numéros de routage. C'est un début, mais tout est bloqué par verrouillage biométrique. On capte plusieurs appels en provenance de la maison principale. Milena doit être à l'intérieur. Il nous faut son visage, ses yeux, ses empreintes. Reçu. Soap, dirige-toi vers la villa. On va devoir capturer Milena. Attention, le groupe Connie défendra Milena jusqu'à la mort. Ils l'auront voulu. Allons-y.
Oh les gars, le retour des comment ça s'appelait là sur Warzone 1 voir d'arrêt ou je sais pas quoi là. Voilà. Ah mais ça va peut-être être le retour de ça du coup. Il vous cherche, c'est un. Ok, il me cherche, donc je reviens discret là. Et on devient discret. Il faut rentrer. En vrai là je peux rester discret. Parce qu'il faut rentrer dans la maison, trouver la cible, récupérer ses yeux, ses mains, et voilà. Ah, j'ai un drone. Un drone, ça peut servir. Allez hop. Ils auront nulle part où se cacher. Ah mais eux ils sont blindés, je pense pas que le couteau ça les one shot. Oh, c'est des mythos, ils ont dit que tout le monde me repérait là, arrête. Ah mais c'est trop chaud, c'est trop chaud. Je détecte une nouvelle activité de drone sur l'île. Surveille le ciel, Johnny. Explose ces satanés drones et t'envoie un. Compris, lieutenant. Oh la dinguerie. Je trouve que c'est n'importe quoi là. J'entre dans la maison principale. Reçu. Faites attention, je vais perdre le visuel. Oh oh. Ok, où est Romanova? Caché dans son bureau au-dessus. Derrière une porte. Oh non, ils ont niqué le piano. Si vous coupez le système de sécurité, je pourrais ouvrir la porte à distance. Ok, ça devrait aussi neutraliser les drones. Même si on arrive à atteindre Romanova, Connie vous traquera sans relâche. Ils s'arrêteront quand ils seront morts. Très bien. Donc, vous savez quoi faire? Vous me connaissez, Watcher. Eh, pas mal là! Attention au drone! Trouvez le disjoncteur! Concentre-toi sur ce que tu fais, Johnny! Le disjoncteur! En déconnectant le système de sécurité, on déconnecte aussi les drones, pas vrai? Tout va bien! Eh, c'est les Deagle quand même, hein! Oh, 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 oh. À toutes les unités, le courant est coupé. Bien, les drones sont également à chaîne. Juste à temps. Vous pouvez ouvrir la porte de Milena, Laswell. Je m'en occupe, une seconde. C'est bon, la porte est ouverte, les gars. Toc, toc, toc. Force spéciale, main en l'air! Va te faire foutre. Assieds-toi, Milena. Dis-moi où est ton boss. Je n'ai aucun boss. Et personne ne me dit quoi faire. Comment ça se passe, les gars? Elle veut pas parler. Elle va changer d'avis. Donne-moi ta main. Pourquoi? Vous allez me la couper? C'est pas mon style. Lui, je dis pas. Pourquoi un masque? Pour cacher mon visage. On y est. C'est sûrement pas en fouillant mes comptes que vous allez retrouver Vladimir. C'est ce qu'on va voir. Je vois plusieurs comptes de Connie cachés à la vue de tous. Des virements ont été effectués récemment à la prison de Zordaya. Le goulag. Elle a financé l'évasion de Makarov. L'argent ouvre des portes? Alors on va alléger les coffres de Makarov de quelques roubles. Fait. Dites-moi s'il y a une réaction. On vient de virer 85 millions sur un compte secret de la CIA. Le travail de Vladimir a déjà été payé. Vous êtes pas très bon à ce jeu-là. Vous non plus, tous vos hommes sont morts et vos comptes sont grands ouverts. Vous ruinez l'avenir de Makarov, pas le mien. Soap, vous avez entendu ça? Parfaitement. Rendons les choses plus personnelles. Il faut qu'on quitte la zone. Faites vite ou on l'embarque. La Banque Nationale Suisse.
C'est ton compte personnel. Pas vrai, hein? L'argent a à peine bougé. Ça va pas durer. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je crois qu'on a trouvé notre moyen de pression, monsieur. Vis dans le compte. Je vous interdis de faire ça! Un problème, madame Romanova? J'ignore tout des projets de Makarov. Je le finance, rien de plus. Donne-lui ton doigt. Ou bien dis-nous où se cache Makarov. Je vous emmerde. Vous et votre collègue qui vous chuchote à l'oreille, l'argent qu'il y a sur ce compte est à moi. Je me suis battue pour l'avoir. Insistez, elle va craquer. Dernière chance, ou il prend le relais. Il saura que vous êtes venu. Je suis fichu sans mon argent. J'en ai besoin. Et nous, on a besoin de Makarov. Dis-nous où il est. Vostok! De l'argent a été envoyé à Vostok Capital, à Saint-Pétersbourg. Vladimir achète de vieilles propriétés, des bâtiments abandonnés, mais j'ignore ce qu'il fait avec. C'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai trouvé. On a ce qu'il nous fallait. Ce fut un vrai plaisir. Tu vois quand tu veux. Quand vous le supplierez de vous épargner, il vous tuera sans pitié. On se reverra en enfer. Même les Shadows finissent par craquer. Tout le monde craque, pas seulement eux. Si c'est pas la Shadow qui a approché Milena, alors qui? Price et tous ces enfoirés de l'Arbin. Avec un coup de main de la Shadow? Cette relation est purement transactionnelle, crois-moi. Les infos qu'on a arrachées aux prisonniers doivent être utilisées au plus vite. Laissez-moi m'en charger. Non, j'ai besoin de toi ici. On doit se séparer. S'ils ont trouvé Milena, ils nous trouveront nous aussi. Vous pensez qu'ils en savent davantage? J'en doute, mais fais en sorte que ça n'arrive pas. S'ils se pointent ici, on sera prêts à les recevoir. Je veux que tout le monde sache qu'on ne laissera personne nous faire obstacle. Et j'ai dit absolument personne, sans exception. C'est bien clair? Oui, c'est très clair. Si les renseignements de notre ami de la Château sont exacts, tu seras le tout premier à savoir. Et sinon... t'auras qu'à le buter. On a fait parler Romanova. Comment? Une petite torture financière. Les infos de Shepard étaient bonnes. Ce sont les nôtres maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'exploitable? L'une des nombreuses sociétés écrans de Romanova a acheté un immeuble abandonné à Saint-Pétersbourg pour le groupe Kony. Quand? Récemment. C'est sûrement un avant-poste. C'est sûr et certain, capitaine. J'ai localisé le bâtiment. Les dernières images satellites montrent un ballon d'extraction sur le toit. Si c'est là, c'est pour exfiltrer rapidement quelque chose qu'ils veulent pas qu'on trouve. Ou quelqu'un. Ce bâtiment grouille d'ennemis. Gaz balayera la zone de base en haut. Je me chargerai de couvrir le toit à distance. Comment on s'exfiltre? L'hélico, c'est trop risqué. Récupérez tout ce que vous jugerez utile. Nick vous tirera de là par avion. Le ballon? Le Felton. Si Makarov est là-bas, capturez-le. 6 pour Watcher, drone actif. Vous devriez avoir un visuel. Affirmatif, John. Je vois plusieurs soldats de Kony sur le toit du bâtiment nord. Mais aucun signe de Makarov. Qui est le type au centre de l'attention? Ça a l'air d'être leur chef. Je vais lancer un scan pour essayer de l'identifier. Reçu. Gaz, vous êtes en position? Bien. Découvrez ce qui se cache ici. Ne repartez pas les mains vides. Watcher terminé. Affirmatif, quand vous voulez. Gaz, avancez, dites-moi quand vous êtes devant la cage d'ascenseur. Ah, si, je bouge. Ah, c'est une mission feu à volonté en fait. Ah, donc il y a des missions, ouais, j'ai tout raté. Moi, c'était feu à volonté tout le temps. Ah, je suis à l'ascenseur, il y a une échelle. Reçu, crampé. Bravo, j'ai identifié notre cible. Il s'agit d'André Nolan. Il faisait partie de l'Inner Circle avec Makarov. C'est un gros poisson du groupe Kony. J'aurais deux, trois mots à lui dire alors. Moi d'abord. Moi aussi, je veux en être. Nolan est notre nouvelle cible. Capturez-le et ramenez-le-moi. Reçu. Comment on va l'exfiltrer? Vivant. Je vais sécuriser l'exfiltration. Je vous rejoins en haut.
regarde, Gaz. Il vous cherche activement. Gaz ennemi dans les escaliers. Je monte au sixième étage. Vous verra plus. Ils sont hyper nombreux, capitaine. Je sors de la structure. Ça rappelle des souvenirs, ça. Étage. Il reste encore beaucoup d'ennemis à traverser. Mais le but c'est que je monte, c'est pas que je descende, non? Le sixième. C'est la moitié. Ouais, il faut que je monte. Vas-y, on va monter. Ouais, one shot. Les sont bloqués. Je grimpe au septième étage. Ils sont pas fuite-fuite, hein. Où êtes-vous? Ouais. Y'a un peu trop de fumée là, hein. On peut pas monter nous aussi? Bah si, on peut. Encore quelques étages, allez, on va la voir. Ah non, les escaliers. Pas monter là. Ah là on peut monter. Monte au 9ème étage. Vous touchez au but, Gaz. On recharge, on y est presque. Boum. Incroyable pompe. Vous verrez un raccourci. Ouais, je crois aussi. Aïe. Ça va pomper ici. Attention. Oh, des mastos. Des blindés. Hein? Eh, la map elle est stylée en vrai, hein. C'est incroyable. Ça en devient comique, hein. Ah ouais, mais c'est... Ils ont trop de vie, hein. Waouh. Aïe, aïe, aïe. On est pas là.
J'ai cru que c'était l'hôpital. N'oubliez pas qu'il nous faut Nolan vivant. Ok. Ok. J'ai Nolan en visuel. Attention, la cible est lourdement protégée, capitaine. Compris. Immobilisez ce connard. Ne le tuez surtout pas. Vous êtes en train de jouer, chef. Ah merde, c'est Nolan! Oh, je m'attendais pas qu'il soit là! Granada! J'aime bien. Wow. Cocktail. On recharge. Et on va pomper. Merde, c'est Nolan. Oh là là, à chaque fois je le tire dessus. Aïe aïe aïe. Droit de Makarov, il est à terre. Ah, c'est bon. Capturer notre homme. Approchez. Il est pas mort, il peut encore être dangereux. Venez admirer votre travail. Oui, oui. Allez, viens là, toi. Le voilà. Tuez-moi, je vous dirai rien. C'est ce qu'ils disent tous. Je vous emmerde, vous m'entendez? Allez vous faire foutre. Ah. Oh, crachez son venin d'ici, faites-lui fermer sa gueule. Oh, squat. Approche du toit. Bravo pour Watcher, cible sécurisée. Je se dirige vers l'exfiltration. Bien reçu, Yankee en approche. Il sera là dans 2 minutes. Tenez-vous prêt. Croisé. C'est le chargeur, on peut tenir jusqu'à l'arrivée. Ils sont déterminés à récupérer leur boss. En plus, on peut même pas recharger. Gaz, accrochez-moi à mon câble et aidez-moi à dégager la zone. J'ai l'impression que je mets tout à côté, hein. Et je crois que c'est pas qu'une impression. Allez. On va livrer un paquet, mon pote. L'autre hélico arrive. Qui est porté à cible? Iso M-Lock. Triton à 2 km. Y'a pas un lance-roquette là? Ça serait mieux. Attends, y'a des missions là-bas. Waouh! Allez les gars, on peut le faire. Ha ha ha.
Ok, on s'attache. Bon travail, Sergent. Accrochez-vous bien. Wouah. Où est-ce qu'on en est? Wouah, c'était ouf. Il est pas très loquace avec nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Il mène une guerre contre le monde entier. Il a une confiance aveugle en Makarov. Makarov a besoin de lui. Il a pas arrêté d'essayer de le joindre. Il sait que ça va pas. Vous avez intercepté leur communication? Affirmatif. Nolan a peut-être pas voulu parler, mais sa radio et son téléphone l'ont fait pour lui. Qu'est-ce qu'on sait? Il dépose quelqu'un ou quelque chose dans une prison soviétique abandonnée. Où ça? En Sibérie. Quand? Demain. C'est notre chance de choper Makarov. On n'a aucune garantie qu'il y soit. Je prends le risque. J'en étais sûr. Nick vous déposera et vous reprendra. Je veux tout le monde sur le coup, y compris Farah. Avec Ghost, c'est notre meilleur sniper. Vous pouvez la prendre en chemin. Je la préviendrai. Faut du C4 et de l'équipement imperméable. On va se mouiller. On va faire plonger Makarov. Watcher pour 07, vous en êtes où? 07 en position avec Kilo. Bravo et dans l'eau. Reçu. Où est notre cible? Un convoi depuis le sud-est. 4 véhicules. Vous voyez Makarov? Pas de visuel, mais le troisième véhicule est sous haute protection. Ghost a tous les bravos. Vous me recevez? J'ai l'impression que pour la suite, on va avoir une petite mission sniper. Et ça, c'est la base. Dans chaque Call of Duty, il y a au moins une mission sniper. Et bah, je crois que c'est le moment.